All right, I'm in. Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dying Light. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça me fait super plaisir de vous retrouver et ça va patate aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Où est-ce qu'on s'était arrêté déjà? Ah oui, c'est vrai, il fallait contacter le Greu. Suite à notre machin avec Karim, il fallait réparer une tour et je ne sais quoi. Il faut d'abord que j'aille contacter le Greu avant de passer à la suite de cette mission. Avant ça... ouais, non, on s'en fout. Avant ça, souvenez-vous. Alors, je me suis arrêté rapidement chez nos potes, enfin, nos potes. C'est une façon de parler. Chez ces bonhommes, là. Hein, ouais, voilà, souvenez-vous. Dans l'abri. Mais avant de passer à la suite... Je voulais aller faire autre chose très rapidement. Et je voulais aller voir de nouveau ce camion de flic qui probablement doit être fermé. Exactement, et on va aller crocheter ce truc. Alors il y a un peu de monde, ligne 2. C'est par ici que ça se passe les filles. Allez, on y va. On se dépêche. Voilà. Problème réglé. Visiblement le problème n'est pas complètement réglé. On va y aller à la batte, à l'ancienne. Voilà. Très bien. Suivant. Toi. Ouch. Oh, t'as pas aimé. Toi non plus, t'as pas aimé. Suivant. Y en a-t-il? Oh. Bah tiens. Oh, je t'ai loupé. Bah là pas par contre. Bien. La nuit arrive. Ouais, je suis au courant. Vous connaissez la procédure. Faites gaffe. Damn it. Bon, eh bien, c'est pas grave. On aura tenté. On va se faire le petit loot rapidement ici. Et ensuite, on ira contacter le Greu. Il y a encore un touriste là qui veut jouer? Ouais, une touriste qui veut jouer. Voilà, dans les flammes de l'enfer, exactement. Hop. Y a-t-il autre chose? Ouais, y en a encore. Ouais, on en profite vite fait, bien fait. Hein. On fait ça en taftuf là. Qui? Non, ça va? Personne? Entendu. Qu'est-ce que c'est ça? Tuyau de gaz? Ouais, on s'en fout, c'est du verre. M'intéresse pas. Hop. Parfait. Hop, pourtant. Hop. Nice, allons-y. Allons contacter le Greu. Et est-ce qu'on fait ça de journée ou est-ce qu'on fait ça de nuit? Je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vous écrase tous. Exactement. Hop. Excusez, pardon. Voilà. Bien. Il est où le plumard ici? À l'intérieur. Hein. Ah non, il y en a un là au fond, parfait. Et c'est bien dommage que cette caisse de flic là elle soit archi vide. Ouais, pas cool. Jusqu'à la nuit. Mais pour moi il fait nuit un peu là hein. Bon soit, on va taper la discute avec Bonhomme en attendant. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Non, on peut pas. Dis-moi, est-ce que tu sais où trouver des armes? Des armes plus intéressantes que juste mon flingue. Bien qu'il soit pas inintéressant. Soit, certes. Bien entendu. Mais tout de même, est-ce que tu as... T'avais des M4 là la dernière fois. Alors, quelqu'un dans les commentaires m'a dit... non, on va laisser tourner. Histoire 2. Mais quelqu'un dans les commentaires m'a dit qu'il y avait un parking, possiblement, où il y avait énormément de caisses de flics. Donc potentiellement une station... Enfin une station, non, mais un commissariat ou quelque chose du genre. Est-ce que éventuellement on peut, je sais pas, trouver ça quelque part? Peut-être que c'est dans la carte principale. Je ne sais pas trop. Et il est 21h. Maintenant là, c'est la nuit. Maintenant on peut changer et repasser deux journées. C'est vrai qu'il est... Oh, attends, on va se taper un petit fight dehors quand même. Là. On va se taper un petit fight, les amis. C'est par où? C'est par là. C'est vrai qu'accessoirement on pourrait se faire un petit peu quelques molotovs là vite fait et je sais pas, aller
Aller tuer quelques zombards, ouais, ça ferait... Waouh, j'ai tellement de choses. Wow. Ouais, fait plaisir ça. Ouais, ça fait plaisir ça. Bon, allez. Fabrique. De toute façon, ce truc, c'est jamais perdu. Les molotovs, je les utilise à tort et à travers. C'est tip top. Bien. Sortons et essayons d'attirer un petit peu de monde là, juste devant la porte éventuellement. Ouais, on peut faire ça vite fait là. Histoire de se récupérer quelques points supplémentaires là. C'est où qu'il y a du peuple? Pas encore assez de monde là, je trouve. On va s'aventurer un peu plus loin. Palapapa, 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 palapapa. Il est beau lui, regarde-le. Ah, comment qu'il est beau! Oh! Bah, tu dégages, ouais! Aïe, 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 aïe! Wouhou! Non, saute par-dessus, saute par-dessus! Voilà! Good boy! Ils sont vachement plus agressifs. Dégage! Dégage! Ah, il me tape pas! Pas vrai ça! Oh! Allez, bam! Qu'est-ce que tu veux toi? Je te tue moi! Wouh! Ah, ça me pète hein! Voilà! Voilà! Ah, oh, tu brûles! Ouais, je suis désolé! Je suis tellement désolé! Salut! Voilà, bam! Y'en a d'autres qui veulent faire joujou là? Ah, amenez-vous, amenez-vous, amenez-vous! Ah, ça brûle! Je suis vraiment désolé, mon gars. J'ai du sang sur tout l'écran, c'est tellement le bordel! Oh, attends, ça bulle, ça bulle, ça bulle! Ouais, viens, approche-toi, regarde, ça va te faire bizarre. Viens, 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 viens. Voilà. Bravo. Bravo. T'as tout gagné. Bon, pendant ce temps, poursuivons. Tu dégages. Tellement dégueulasse. Moi, je suis curieux de savoir si on peut se battre contre un des gros sacs, là. Si on peut dueller un gros cochon comme ça, là. Bon, alors, j'irai peut-être pas faire la mission de nuit, ça, c'est évident. Mais un petit fight là, ça me tentait bien, j'avais bien envie là de casser des bouches rapidement. Et je vais voir si c'est pas possible de tuer un gros là. Ouais, viens, approche-toi. Ouais, regarde, je suis là. Wouhou. Viens. Ouais. Voilà. Tu t'es loupé. Haha. Eh, devant la lumière c'est la merde hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ah oui, arme inefficace, c'est très bien. Allez dégage, file. Voilà, très bien. C'est pas toi que je veux moi, c'est un gros sac là. Mais vraiment un gros sac, genre lui là. Approche-toi. Approche-toi. Putain, ils sont deux. Ouh, t'as une piquette hein. Allez, bouge là. Il est solide le gars. Il est toujours vivant d'ailleurs. Bien. Alors on va se mettre un petit coup de heal. Mais non, j'ai vraiment envie. Allez, viens là maintenant. Viens là. Putain, ils sont plus. Mais à chaque fois il y a du monde autour là. Sérieusement. Viens là. Pourquoi tu m'as mis un coup et d'où tu m'as mis un coup toi? Impossible mec. Et je vois rien avec le sang qu'il y a sur l'écran là. Ah, oh, c'est dégueulasse. Amène-toi la petite croûte. Ouais, viens, viens, c'est toi que je veux. Absolument, amène-toi. Eh bien, viens, je te dis. Putain, dégage de mon chemin, toi tu me saoules. Voilà.
T'es mort? C'est bien. Ah ouais, bien. Wouh! Viens te battre, petite merde. Il est solide, hein. Il est solide, il est solide et il veut pas crever le garçon là. Putain, c'est chaud. Il y en a d'autres? Ah. Yes. Ok, donc c'est tuable ces trucs là. Très très bien, très très bien. Dis-moi qui m'a esquivé lui, c'est sérieux? Arrête tes conneries! Ouais, viens! Ouais! Allez, toi aussi là! Bon, j'aurais perdu beaucoup de vie dans cette histoire, mais tout de même. Putain! Mais mec! Wow! Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, vraiment, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai pris super cher sur la fin là. Du coup, j'ai passé mon niveau quand même. Ouais, j'ai passé mon niveau. En puissance. Bon, on va voir. Ah, oh. Ah, piétinement. Achevez les ennemis à terre en leur piétinant la tête. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les violents qui l'escaladent une plateforme où vous trouvez appuyé sur E lorsque vous êtes pour exécuter cette action. Ouais, bah déjà, appuyez beaucoup puissant qui renverse les ennemis. Définitivement ça. Bam! Donc maintenant, c'est bien, on peut les achever par terre. Cool ça! C'est rigolo. Bon, où est-ce qu'on en était là de cette histoire? Parce que l'autre, j'ai quand même envie de le. Et toi, tu m'aurais pas aidé, bordel. T'es armé jusqu'aux dents et tu me. Va te faire foutre. Peu importe, on s'en fout, vas-y, on y retourne. Là, c'était une bonne planque là. Hop. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, tu files. Dégage. Approche. Ah, ça brûle, hein. Allez, qui veut? Qui veut? Je distribue. Bon, Prams, très bien. Ensuite, qui veut? On monte à une vitesse, les amis, c'est juste complètement incroyable. On va peut-être passer un niveau également en grimpette. Bientôt. Ah, je te pète la gueule, moi. Attends, attends. Voilà. Nice. Ça, c'est très pratique, ça. Extrêmement pratique. Allez, passe ton niveau là. Parfait. Hop, compétence, niveau d'agilité. Et maintenant on prend quoi? Maintenant on prend quoi? Demi-volée. Faites plus de dégâts. Ouais, non. Étourdis des ennemis par-dessus lesquels vous sautez. Quand vous êtes empoigné, vous pouvez débarrasser plus rapidement des mordeurs. Ouais. Réduit le dégât occasionné par les chutes de moitié. Ouais. Utilisez les armes de jet. Ah oui. Les ennemis projetés à l'aide du grappin sont assommés, ce qui les rend plus vulnérables au sol. Ouais. Ça, c'est marrant, ça. Ça peut être pas mal. Mais ça aussi, finalement. Parce que je me fais quand même pas mal de fois choper ces derniers temps là. Par la suite de moi. Ouais, ça aussi, ça peut être pas mal. Puisque je tombe beaucoup aussi. Ah, je ne suis pas. Ça, c'est. Ouais, pour regarder derrière, ok, soit. Allez, je. Ouais. Pas pour ça.
Parfait. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais il y a un moment où faut pas déconner. On va passer à la suite. Le combat est terminé. Allons contacter le greu. Mais on va d'abord aller spioter un coup là. Ok dodo, c'est reparti. C'est par où? C'est par là. 848. Comment ça se fait que j'ai gagné 848? Je sais pas. Non, je sais pas. Peu importe. Peut-être du fait de la nuit ou j'en sais rien, je sais pas trop. Holy jeez, ça c'était un coup de pied les amis. Et il se relève. Bon. Dégueulasse. Un peu pas vrai. Très bien. Contactez le greu. Ouais, faut monter sur le truc. Très bien. Bah pas de soucis, pas de soucis. Allons-y. Yeah. Alright. Bip 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 bip. Allo, bonjour, ça va? Oh, il est magnifique. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane terminé. Super, genre, t'es super content, c'est ça? Ouais, mon cul, ouais. Bon, allez, c'est parti. Ah, je croyais que c'était un truc récupérable, ça ressemblait. Bon, peu importe. Trouver une antenne de télécommunication. Salut ma chérie, tu dégages. Non, non, non. Ah, waouh, waouh, waouh. T'es encore vivante? Sérieusement? Où ça? C'est quoi ça? Champignon fluorescent. Bouge. Aïe, en plus il me crame les fesses. Bon allez, j'ai pas que ça à foutre. Hey, Al Capone, t'es prêt? Hein? C'est moi Al Capone? Exactement. Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Mais un empereur doit gérer son empire. Un empereur? Connerie. Salut les filles, excusez, pardon. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je suis super occupé, je suis super busy. Et alors, maintenant on va faire vachement plus attention aux bâtiments qui sont autour de nous. Je le précisais un petit peu plus tôt. Mais potentiellement, on peut trouver des voitures de flics qui sont blindées jusqu'aux dents. Également des pharmacies ou ce genre de bon building là, bien sale. La première antenne. Ça, ça peut être très bien. Salut! Wouhou! Allez! Y'a combien de gens autour là? Deux? Ça va. C'est gérable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, c'est là qu'il faut que je monte? Non, faut pas que je monte par là. Oh! Hold on! Faut que j'y aille, mec! J'arrive tout de suite! Attends-moi! Eh ouais, ça fait de l'XP là ce qu'on va chercher, les amis. Ça fait de l'XP, ça fait des armes, ça fait je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, ça le fait. Il faut qu'on y aille. Donc on va aller récupérer ce largage qui est juste là-bas. Rien à foutre des zombies. C'est tout droit. Ouais. On sait que ça te fatigue, tralala tout ça, mais j'ai pas le choix. Y a des gens sur place? Que dalle, ouais. C'est qui le problème sur le beefsteak là? C'est nouveau moi. Parfait. Allez, hop. Petite caisse humanitaire, du matériel médical, tout va bien. Excellent. Et on ira rendre ça tout à l'heure. Fusée, caisse humanitaire, j'ai tout pris. Allez, ciao. Il n'y en a que deux, on est d'accord? Il n'y en a que deux. Parfait. Retournons à nos occupations. Petit XP vite fait, bien fait. J'ai vu une caisse là-dedans avant, en passant. Ouais. Pour un rouleau adhésif. Y'a mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Dégage. J'étais sûr que la porte allait claquer. Je le savais. Je le savais. Bon, peu importe, cassons-nous. Croyez qu'il y a des choses intéressantes là-haut? Croyez qu'on peut trouver des choses intéressantes éventuellement? Allez, je vous laisse, hein, faut que j'y aille. Non, 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 faut que j'y aille, voilà. Je sais pas du tout si on peut trouver des trucs cool ici.
Je sais pas trop. J'espère juste qu'il y a des poubelles en dessous. Ouais, il y a des poubelles juste là. Parfait. Ça m'arrange. Est-ce qu'on peut... Oh, du violet. Dammit. Oh, j'ai failli me planter. Hey. Yes. Bien le bonjour. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il est où le violet que j'ai vu là? Qu'est-ce que tu fais là toi? Mais depuis quand t'esquives des coups comme ça toi? C'est sérieux là? Elle m'aura enlevé 30 HP l'autre là. Sérieusement? Incroyable. Complètement dingue. Je crois que c'était par là moi. Allez, bim, craque le crochet, ciao. Ah, oh, oh. Hop, oh, doucement, doucement. Ok, c'est par là. Là, on est bien. Presque. Là, on est bien. Yes. Parfait, ouvre-toi. Et qu'est-ce que c'est la surprise? Un couteau bleu. Ouais, et une bourse. Très bien, intéressant. Y a-t-il autre chose? Ah, sur le balcon d'en face, il y a quelque chose également. Help. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ok, donc sur le toit des toits des toits des trucs, il y a des choses intéressantes, mais il faut monter tout en haut quoi. Pas de problème, c'est bon à savoir. Très intéressant. Y a-t-il autre chose? Ah, et bah tu vois, si on était allé sur l'autre building en prime, on aurait pu utiliser cette petite corde pour descendre. Bon, du coup, est-ce que je vais remonter moi tout le bordel là? Peut-être bien, hein. C'est intéressant quand même. Hein. Allez, bam! Tout va bien. Ah, tout va bien, tout va bien. Je maîtrise la situation. Allons-y. Essayer de se monter ça. Rapidement. Ça me rappelle un peu Assassin's Creed et les tours qu'il fallait monter. Il fallait trouver un peu une strat. Sérieux là, sérieux. Il en veut encore. Allez, salut hein, on s'appelle. Complètement dingue, complètement dingue. Le mec, complètement dingue. Oh, c'était une caisse toute mignonne, tellement dommage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, une bourse quand même. Toujours bien. Toujours pas trop mal, on a du bleu. Ah, oh. Ouais, forcément, c'est fermé de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a? Crochetage intermédiaire, bon, très bien. Oh. Oh, presque le one-shot. Dammit. Là c'est bon. Parfait. Allez. Oh. Bon, petite arme verte. Ok. On a un homme de main également. Autre chose peut-être. Ah ça peut-être qu'on peut ouvrir. Remarquez. Bien entendu. Ah non. Ok. Allez les piles. On se casse. Par où qu'on peut sauter sans se faire mal là? Par là-bas? Ouais mais c'est un peu loin. Hein. Oh remarquez, ça peut être gérable si on saute assez loin. Drapeau. Ok, je sais pas ce que c'est pas grave. Quoi? Yes. Bien visé, en avant. Ok, très bien, je croyais que c'était un truc un peu spécial. Hop. Désolé. Ouais, je suis navré, des fois il y a des trucs qui sont importants et qu'il faut aller récupérer, genre ça. Moi je vois un truc bleu sur la carte, je fonce directement, je ne me pose pas la question. Salut mon gros, ça va ou quoi? Ouais désolé j'ai pas le temps. Oui fais joue tout seul, j'ai pas trop le temps. On dirait un truc à bus, un arrêt de bus géant genre. Ouais je sais. Ouais, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Ah ouais on peut. Qu'est-ce qu'on a? Quelques trucs, bon on peut pas s'arrêter. Pardon excusez je vais y aller. Ah bah il est juste là, regarde le. C'est juste là. Parfait. Hop, hop. Matériel médical, caisse humanitaire, on est bien. On est juste super bien, c'est la classe. C'est la grande classe. Regarde-moi ça. Hop, hop, parfait. Bon. Et il y a une maison pas loin. Profitons-en, profitons-en. On est à côté. Et après, promis, on passe à la mission. Promis, promis, promis. On va aller activer ce truc-là. Cette antenne pour le Seigneur Jésus-Christ tout puissant machin, je sais pas comment il s'appelle là. Salut, ça va? C'est toi qui garde ici? T'es sûr hein? Ouais, pas que toi. Qu'est-ce que tu veux?
T'es... Ouh, dégage. Ah, je crois que t'es tombé par terre. Bah, navré, hein. Ok, d'ac. Ah, salut. Non, non, reste par terre, je t'en prie, y'a pas de problème. T'es pas obligé de te lever. Bye bye. Bien, ensuite. Petite lumière. Et on a déjà le camp? Ouais, easy. Easy weasy cette maison. Et les deux autres maisons, on s'en occupera à l'occasion. Puisque la maison, enfin, la tour est juste là, on montera par la suite à l'occasion, comme dit. Et puis, pas de problème, quoi. On a une boutique. Allons jeter un coup d'œil à cette boutique. Y'a une poubelle là en bas? Non, mais ça devrait pas faire trop mal. Ouais, parfait. Allons-y. En avant. Salut les gens. Hop, hop. Hop là, hop. Eh, oui, t'es étourdi? Ouais, t'es étourdi, ouais. Pas mal ça. Excusez, pardon. Un petit saut comme ça, ça te rapporte 30, c'est toujours bien. Maintenant, on peut passer rapidement dans cette gare là, quand même, voir ce qu'il y a. Oh, toi, t'as une arme sur toi, tu donnes. Tout de suite. Elle est où? Là, Toyo. Pardon, excusez. Il y a des trucs ici, c'est fou ça. C'est moi ou le machin il bouge là? Merde. C'est Jade, depuis la tour. Salut Jade. Il va bientôt faire sombre. Ah bon? Si vous ne pensez pas pouvoir rentrer, trouvez l'abri le plus proche. Bonne chance les gars. Pas de chance. Et je me fais esquiver par des zombies, c'est n'importe quoi. Timer dans notre souffrance, voilà. Bon, à part du fric, on a quoi là dans cette histoire? Pas grand chose hein. Pièce métallique, tralala, ouais bon, je peux même pas récupérer ce truc, je sais pas ce que c'est. Ah si, ça y est. Merde, c'est pas le bon. Hé hey. Ah, ah, oh, ah. Sérieux? Mais tu me farces ou quoi? Ah, voilà. Très bien. Je sais pas si j'ai récupéré ce qu'il fallait. Ah, journal de combat, tiens. Ok, à part ça, rien de spécial. On a quoi là dehors? Encore des sacs. Ouais, pas vraiment intéressant en soi. Il y avait quoi? La poubelle, on s'en fout. Allez, vas-y, on se casse. Ouais, ouais, lâchez-moi, j'ai pas le temps là. Et du coup, je me retrouve avec 20 kits de soins. Ça va. Je me sens en pleine forme. D'ailleurs, en tant qu'à faire, on va s'en prendre un parce qu'on en a rien à foutre. Et arrête de péter les portes! Non, mais vraiment! Pourquoi je peux pas lâcher? Ah, voilà, j'allais dire. Possible ça, putain. Y'a quoi là-dedans? Rien en plus! Va te faire fiche. Désolé, pardon. Salut. Ok. Allons-y sur cette tour là. Oui, respire tranquillement. Voilà, prends ton temps. Tralala. Ok, on est bien. On peut repartir là? Ouais, nickel. Allons-y. Bon, on est d'accord que le gros sac, on s'en fout un petit peu, hein. Puisque en même temps, c'est pas vraiment le concept du truc. Ah, remarquez, c'est peut-être le concept du truc. Salut mec, attends voir. T'es bête. J'ai pas compris. Non, vraiment, je te jure que j'ai pas compris. Pourquoi la bagnole, genre, elle klaxonne un truc de ouf et d'un seul coup, je me fais défoncer le cul? Non, vraiment, j'ai pas compris le concept là du truc. Par contre, salut, qu'est-ce que t'as toi? Bon, on a du fric, on prend. Non, on prend pas. Clou, ouais. Crochet, on prend pas. Pioche grossière. Oh putain, il a des armes lui aussi. 92. Oh, ouch. 108. Allez, 100. Oh, c'est n'importe quoi. Couteau commando, ouais, très bien. Vendre tous les objets de valeur, ouais. À part ça, rien de spécial. Ah si, t'as quoi en truc algue sous-marine? Ouais, on s'en fout. Ok, bon, maintenant j'ai quand même pas saisi le pourquoi du comment j'ai explosé comme une croûte là. Alors ouais, on y va de nuit, on s'en fout un peu hein. Enfin, on y va de nuit. Oh, dit-il, le mec qui n'a peur de rien, tu sais. Ah ouais, bien sûr. On va essayer d'y aller de nuit. Mais j'ai quand même pas saisi pourquoi cette bagnole a explosé. Oh, salut. Ici Jade. Plante. Si vous n'avez pas encore trouvé d'endroit sûr, c'est maintenant. La nuit est presque là et vous êtes à la limite. Attends deux secondes, laisse-moi passer toi.
Bon, elle explosera plus cette bagnole, mais quand même, j'ai pas compris. Cinglé ce mec là, je te jure. Allez! 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 Allez, viens là! Rien du tout. Rien du tout, je te dis. Laisse-moi reprendre un peu des forces. T'as mal? Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Je te tue, moi. Ok? Je te tue, je te dis. Bon. Allons-y, c'est par ici. Réglons cette histoire. Holy shit! Il m'a dégueulé dessus, le con. Pourquoi? Parce qu'un de ces infectés de les deux avec les boyaux qui dégueulent viennent me balancer une bière toxique. C'est une bonne raison. Attends, viens là. Bien. C'est bon là? Problème réglé? Non, me dis pas que le problème n'est pas réglé. Si, c'est bon. Problème est réglé. Fais péter de nouveau moi dans cette histoire. Je t'ai vu. Bon, on peut ouvrir tranquille cette fois-ci ou on va de nouveau se faire choper par je ne sais quoi qui dégueule là. Oh, sérieux? Incroyable. Bouge. Qu'est-ce que tu veux toi? Dégage de ma route. Tellement dégueulasse. C'est là. J'ai allumé ce putain de courant. Bien, maintenant, grimpe tout en haut. Sérieux? Vite, vite, non! Demet! Dépêche-toi, ce... Tu sens pas que ça sent le pénètre? Là, on est dans la merde. J'aime. Putain, c'est pas sérieux! Simplement. Et pour du café, je suis sûr, ou de la merde. Non, ah bon, bon, très bien. Je dois avouer, pour le coup, c'était pas trop pourri. Ok, on va tenter le deuxième. Ah, ah, ah. Damn it! Mais c'est pas vrai, je savais que j'aurais pas dû... Ah. Yes. Templier. Oh, salut. 159 de thunes, ouais, c'est toujours ça de prix. Bien, maintenant faut que je monte tout en haut, c'est ça le concept? Entendu. C'est bien, ça va nous rapporter pas mal d'XP au niveau du déplacement. Puisqu'on est de nuit, c'est cool. Non, ouais, ça commence bien. Alors attends, déjà avant qu'on y va. Ouais, y a la poubelle est là-bas, parfait. C'est ce que je voulais voir. Ok, ensuite. Ensuite, je sais pas trop. Ah bah, prends l'échelle, assaut. Ça marche très bien pour monter aussi. Ouais, c'est vrai. C'est en fait, j'avoue. Autre chose peut-être. On trouve un moyen simple et efficace de grimper. Paraît être le seul moyen efficace là tout de suite dans l'immédiat. Ah ben, parfait. Deuxième moyen efficace, encore une fois, c'est l'échelle. Hop. Ensuite, on va peut-être pouvoir monter par là. Ouais, absolument. Allons-y. Oh, doucement. Ok, ensuite c'est par là. Wouhou. Tendu, ben ça passe. Ok, on est bien. Ensuite, oh, il y a utiliser quoi? Ah ouais. Ah putain, c'est une échelle ça aussi. Le mec, il a pas capté de ça. Mec, il n'a rien compris. Ok, ça passe. Ensuite, par là. Tiens, salut.
Allez, à plus, hein. Ouh, la chute. Ouh, cette chute était plutôt violente. Bien, maintenant, par là. Ouais, ça me paraît bien. Faut encore que je monte où j'étais arrivé, en fait. Attends, c'est où le concept? Ah, c'est là. Bien sûr. Pas non plus monter trop si ça ne sert à rien. Oh merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces. On peut plus rien allumer là. Merde, j'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Il se fout de ma gueule, le gars. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Bah concrètement, je sais pas trop où j'arrive dans tous les cas là. Alors comment te dire? Attends, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Il me faut. Où est-ce qu'elles sont ces... Ah non, pardon. Elles sont en haut, je crois. Voilà, les fusils. Voyons voir. Ok. Bon. Yaha! Bon, en avant. On va examiner la deuxième caisse. Et il y a des gars un peu partout. Mais il y a une maison juste là. Que j'ai réussi à foirer. Pas grave. Hop, bien. Ah bah c'était le vendeur que j'ai vu juste avant. Obtenir 2210 quoi? Non détecté, si vous parlez à ce que vous avez touché un bonus de points de survie. Ok. Mais c'est un peu cheaté ça quand même pour récupérer des points de survie. Parce qu'éventuellement à ce moment là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut squatter dans une zone genre par exemple la tour. On reste au sommet et on attend. On passe toute la nuit là-bas dedans. Et une fois qu'on n'est pas repéré, ben, on redescend sur le truc. Et puis on a gagné quoi. Non, enfin, vous, je sais pas si vous suivez le concept là de tout de suite de mon idée. Karim, mais... je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu? Ah, peu importe. La vraie question c'est, tu fais quoi si tu déçois Rice? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Intéressant. Et comme j'ai pas vraiment envie de mourir là, si vous voyez ce que je veux dire, ce serait parce que voilà quoi. Non, salut. Incroyable. Bon. Passons notre chemin, allons directement à la tour. Et j'ai toujours pas vu, ou revu de voiture de flic entre temps. Truc un peu gros, un peu fat là. Et c'est bien dommage. Peut-être que c'est quelque part, peut-être qu'il y a une zone vraiment spécifique à ça, ce serait bien. Mais ça aussi, ce serait du coup un petit peu cheaté, puisque chaque jour, chaque nuit, etc., etc., on retournerait sur le même chemin. Est-ce que je peux faire ça sur lui? Ah non, je peux pas. D'accord. Et doucement, garçon, on se détend. Ça va. Pas t'énerver non plus, là. Ah! Là-dedans, il y a à manger. Bien le bonjour. Alva. Mamamamam. Et... produits domestiques, c'est tout. Oh, journal de combat. Ok, ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps de tout lire. En tout cas, ma tour, elle est là. Alors, allons-y. Vamos. Non, t'es trop petit, c'est ça? Ok, d'accord. Oh, la blague. Eh, hey, tu l'avais, celui-là, tu l'avais. Retends ta chance. Non, je veux rien savoir, tu retends ta chance. Ouais. Yep, là, ouais, parfait. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. Et peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue ces deux-là. Mais attends, je s'occupe de ces deux-là. Ne laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Ouais, pas de problème. Aérosol, café. En avant. Ils sont où les deux cucus là? Attends, on va passer par là. Je sais pas trop où ils se trouvent les deux, je les ai pas vus, mais c'est pas grave. Franchement, les amis. Putain, regarde quoi.
Good job. Vraiment good job. Qu'est-ce que tu veux? Salut les filles. Bah on va discuter, attends, regarde, j'arrive. Je dois escalader la tour. Oh! Quelle idée. Nine! Pourquoi faire? Rien. Pour Rice. Oh, je reviens. C'est lui qui me l'a demandé. T'as vu l'avion, t'as vu l'avion. Rice? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Oh, attends, donc. Je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi? Non, 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 j'ai jamais dit ça. Si tu veux grimper, très bien, vas-y. Ouais, merci, mais attends une seconde, parce que... Hop. J'en peux plus. Ras-le-bol, veux-tu bien parler moins fort? Désolé, hein, j'ai un truc sur le feu là, nouveau, encore une fois. Y'a des poubelles là en bas? Parce que je vais rester si je saute. Bon, là ça devrait aller. Ah ouais, ça va, plus ou moins. Salut! Attention, ça va faire boum! Écartez-vous! Désolé, hein. J'espère qu'il est pas trop loin ce truc, parce que mine de, enfin, l'avion est passé quand même vachement loin. Par où est-ce qu'on est là? Est-ce que je suis déjà venu dans ce secteur? Ah non, je me disais aussi. Hey, y a une maison pas loin. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Laisse la caisse, elle est à moi, bordel de cul. Sans déconner. Quoi? Ah ouais, t'es comme ça. Oh, j'en ai rien à foutre, je vous flambe tous les trois. Approche. Ah ouais, ok, vous êtes vraiment comme ça. Et là? Non mais sinon j'ai mieux en fait. Voilà. Problème réglé. Non parce que ouais, en même temps, pourquoi on l'utilise pas? C'est vrai qu'on a ce qu'il faut en fait. Massette, que je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave, on prend quand même. Bon du coup on a récupéré qu'une seule caisse, c'est un peu dommage ça. Bon, vous me direz. C'est mieux que rien du tout. On est presque arrivé à temps. C'est assez dommage quand même, mais bon c'est pas grave. Ça fait une caisse humanitaire supplémentaire et une caisse de je ne sais plus quoi. Passons à la suite et allons récupérer cette maison. Et après on va arrêter l'épisode les amis parce que ça chiffre déjà là. Y'a pas une voiture de flic là? Non y'a pas? Bien dommage. Bien, bien, bien dommage. Voyons voir par où qu'on passe ici. Putain, on passe par nulle part, bordel. Monte là. Non, t'as pas envie? En fait, si ça se trouve, j'aurais pu monter quelque part d'autre. Ouais, genre là. Oh non, on peut pas. Ça picote. Ok, soit. Par où je peux monter dans cette. Truc à la. Ah ouais, je viens de te voir. Ouais, là-dedans. Ouais, deux, trois trucs. Ouais, on va. Putain, 45 minutes d'épisode, toi. Vous allez me fracasser la tête. Bon, ça on s'en tape. Salut. Arrête de gueuler. Oh là là, c'est pas vrai, ça. Incroyable. Meurs en silence, merde. Y'a autre chose? Non, y'a rien. Ok, d'ac. La maison elle est où? Oh putain, dis-moi qu'elle est en haut, sans déconner. Seriously? Apparemment, ouais. Ok, ça craint, on peut monter là? Bien sûr que non, on peut pas, sinon ça aurait été beaucoup trop simple, évidemment. Alors on va monter par là, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop, parfait. Salut. Oh dur, y'a beaucoup de monde là, y'a beaucoup de monde. Dégage, reste dans les flammes de l'enfer. Nous on va se poser là tranquillement et on va attendre que tout agisse. Bien, il y a d'autres gens qui veulent jouer? D'autres gens qui veulent. Maintenant, il y a d'autres gens qui veulent jouer? Attends, on va charger l'arme, voilà, bien salement. Et lui? Boum! Tu dégages! J'ai dit tu dégages. Tu dégages. Voilà. Il y en a encore un. Il y en avait encore un. Voilà, ciao, terminé. Histoire réglée. Allumage de lumière. Et on est bien. Fantastique. On va aller déposer quelques petites affaires parce que je pense qu'à un moment faut y aller.
Clé à molette, 600. Ouais, bof. 1600 le marteau. Ah ouais. Hop, 1600. 3500 la massette. 3000 balles, allez. Pioche grossière 2009, tuyau 221. Ok, ça on va vendre. Et ça paraît bien. Du coup, dans l'inventaire, ça ressemble à quoi? Non, pardon, l'inventaire, je disais. Ouais, ça va. Ça va, on a des trucs intéressants. C'est parfait. Eh bien les amis, moi c'est ici que je vous laisse pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tout le monde. Ah, il faut crocheter pour passer à la suite. Impossible de crocheter sans crochet. Mais ça se tient. Ça se tient complètement. Oh la vache, eh, silence garçon là. Oh.